Salut à tous! Alors aujourd'hui, comme vous avez pu vous en douter en voyant le générique de la vidéo, je vais vous parler d'Harry Potter. Donc j'ai mis ma super écharpe, je l'adore, elle est trop belle. Hufflepuff, Poufsouffle, une des quatre maisons de Poudlard. C'est quand même la maison de Norbert Dragono. Donc en attendant la sortie des Animaux Fantastiques fin novembre, j'avais envie de vous parler de l'édition collector qui est sortie pour fêter les 20 ans, 20 ans d'Harry Potter. Et cette édition collector a la particularité, en fait, que chaque livre est aux couleurs d'une maison de Poudlard. Donc là, j'ai l'édition de Serre d'Aigle, donc où vous avez la tranche qui est aux couleurs de Serre d'Aigle. Et donc avec un blason. Voilà. Et ce qui est super, c'est que vous avez la devise, donc portez fièrement les couleurs de votre maison. Donc pour chaque maison, que ce soit Poufsouffle, Gryffondor, Serre d'Aigle ou Serpentard, vous avez donc la devise. La Serre d'Aigle, c'est esprit, étude et sagesse. Ça me plaît beaucoup aussi. Et puis, vous avez aussi plein d'éléments spécifiques à votre maison. Donc c'est l'édition, évidemment, ça s'adresse, c'est une édition collector, ça s'adresse quand même aux fans d'Harry Potter qui ont déjà lu et qui connaissent déjà toute l'histoire. Puisque au départ, vous avez donc une petite présentation de Rowena Serre d'Aigle, donc avec son histoire, voilà, avec sa fondatrice, donc Rowena Serre d'Aigle. Et donc son histoire forcément qui fait référence à des passages d'Harry Potter. Donc il y a la fierté des Serres d'Aigle, il y a le fantôme de la maison, là on voit donc la dame grise. Voilà, donc il y a vraiment la relique, les armoiries, ce qui est génial, il y a une carte avec Poudlard, c'est vraiment chouette. Donc il y a plein de petits bonus comme ça. Et donc après vous avez l'histoire, et puis vous avez encore à la fin, donc il y a un petit quiz, voilà, donc ça c'est assez sympa. Et puis voilà, et dans les pages qui suivent vous apprendrez davantage sur votre maison Serre d'Aigle. Donc là, attention, ça, voilà, salle commune de la maison, il y a une élève mémorable de Serre d'Aigle, Luna Lovegood, quand même chouette, hein, elle est donc Loufoka, voilà. Ancien élève célèbre de Serre d'Aigle. Donc voilà, vous avez plein, le directeur de la maison, vous avez plein d'éléments super sympas, un petit peu sur J.K. Rowling. C'est une superbe édition, voilà, à mettre dans sa bibliothèque. Vraiment sympa. Donc, comme c'est les 20 ans, et bien là, c'est le premier livre, le tout premier livre de l'histoire d'Harry Potter à l'école des sorciers, donc en édition collector. Et du coup je vais vous parler en fait de ce qui se passe, enfin 19 ans après, 20 ans, on est à peu près bon. Et bien c'est la suite, c'est Harry Potter et l'enfant maudit. Donc il est déjà sorti en édition, en roman un peu plus grand il y a quelques temps, mais là ils l'ont ressorti en édition Folio Junior. Et à la fin il y a des petits bonus comme il y a l'arbre généalogique de la famille Potter. Donc ça c'est super chouette. Il y a la chronologie aussi, vous retrouvez tout une sorte de chronologie avec des dates de tout ce qui se passe dans les 7 tomes. Donc pareil, hein, forcément ce livre là, je vais vous en parler, mais évidemment comme c'est la suite des 7 tomes, forcément il faut avoir lu les 7 tomes avant de lire celui-ci. Alors Harry Potter et l'enfant maudit, bon si vous connaissez pas, en fait, c'est pas à la base un livre. À la base, c'est une pièce de théâtre. Donc c'est une pièce de théâtre que j'aurais adoré. J'adore, enfin je rêve qu'elle soit adaptée en français parce que elle a juste l'air géniale. Donc Harry Potter et l'enfant maudit, donc on se retrouve 19 ans, enfin 20 ans plus tard. Et Harry Potter, donc attention spoil, bah, évidemment il faut que vous ayez lu les 7 autres tomes. Harry Potter s'est marié avec Ginny, la jeune sœur de Ron Weasley, et ils ont eu 3 enfants. Donc ils ont l'aîné c'est James, après il y a Albus Severus Potter et la dernière Lily Potter. Donc James et Lily, c'est en l'honneur du prénom des parents de Harry, et Albus Severus, ben, c'est les deux personnes qui ont le plus compté pour Harry, Albus Dumbledore et Severus Rogue, voilà, c'est vraiment en l'honneur de ces deux personnes.
Et donc on va suivre l'histoire de Albus qui va rentrer à Poudlard. Et Albus est un jeune garçon qui a peur d'aller à Serpentard. Il porte sur ses épaules en fait le poids de la célébrité de son père. À chaque fois qu'ils vont quelque part, tout le monde connaît Harry Potter, tout le monde se retourne sur Harry Potter. Et lui, il se sent pas à la hauteur de la réputation de son père. Et quand il va arriver, donc il va prendre pour la première fois le train pour aller à Poudlard. Et il va se retrouver dans le même compartiment. Enfin, il va décider d'aller dans le même compartiment que le fils de Drago Malfoy, qui s'appelle Scorpio. Et en fait, ils vont devenir amis. Et il se trouve que lors du choix peau magique. Albus va se retrouver chez Serpentard. C'est sa crainte dès le départ, en fait, c'est d'aller chez Serpentard. Donc je vous révèle pas trop non plus l'histoire. C'est que dès le départ, on voit qu'il a la crainte d'aller à Serpentard et finalement il va s'y retrouver. Et là, c'est vrai que c'est assez un bouleversement puisque jamais un Potter ne s'est retrouvé à Serpentard. Serpentard n'a pas quand même une belle réputation. On va voir Albus évoluer. Mais d'un autre côté, il a quand même son ami Scorpio, mais qui est un Malfoy. Donc, on va voir l'évolution du personnage. Et on va voir ce qui fait vraiment plaisir, c'est de voir retrouver Ron, Hermione et Harry, mais beaucoup plus grand et quelque part plus sérieux. Hermione, c'est devenue la ministre de la magie. Harry travaille au département de la justice magique. Ron, j'ai l'impression qu'il fait des farces à attrape, mais je suis plus trop sur l'âge. En fait, je l'avais déjà lu une fois, et là, je le relis vraiment par plaisir. Mais c'est vraiment haletant. Alors, comme c'est une adaptation d'une pièce de théâtre, c'est écrit forcément sous forme d'une pièce de théâtre. Donc, à chaque fois, vous avez la description du lieu, le nom du personnage qui parle. Donc, c'est vraiment écrit sous forme d'une pièce. Mais quand on le lit, on visualise vraiment ce qui se passe. C'est agréable, c'est génial. Enfin, on voit les personnages, on voit les lieux. C'est pour ça que je suis vraiment curieuse de voir l'adaptation en vrai de la pièce, puisque en lisant la pièce, on voit toute la mise en scène qu'il peut y avoir et ça a juste l'air magique. Donc je vous recommande vivement, si vous ne connaissez pas ce livre, de le lire, d'autant que l'histoire est palpitante et vraiment digne des autres tomes. Donc voilà, je ne peux que vous recommander de lire Harry Potter et l'Enfant Maudit. Sur ces bonnes paroles, eh bien je vous souhaite une bonne lecture. Allez, à bientôt. Ciao.